délire. Bon, ben voilà, allez. On est toujours le mercredi 23, mais je veux garder ce paysage pour parler de mes serres. Alors, voilà, hein. Serre poulailler là-bas, la serre contre la grange, et là où à l'épigny, quand je pense que au début j'avais commencé par les tout petites serres, vraiment j'ai galéré. Regardez ça, regardez ces photos. Voilà, au bout de, on va dire, c'est la troisième saison, on va commencer un peu mieux, avec de meilleurs outils. Allez, c'est parti, on va voir ça. Mes serres chéries, qui sont forcément atypiques par rapport à toutes celles que je vois sur vos vidéos. Donc j'ai fait avec les moyens du bord, j'ai essayé d'y réfléchir par rapport à l'autonomie de la serre au niveau de la chaleur. Donc je ne m'attends pas à avoir des serres qui ont 20 degrés toute l'année. Donc c'est sans chauffage, juste avec l'inertie de la terre, enfin l'inertie, la chaleur de la terre, ici avec les pierres de la grange. Et forcément là-bas avec la chaleur des poupoules. Donc point stratégique aussi. Alors la Walipini. J'y ai mis un bac d'eau, donc je vous montrerai. Celle-là, je sais que là, j'ai creusé assez suffisamment, il y a toujours de l'eau en profondeur. Et celle-là, bah, j'ai mon tuyau ici, au cas où. Donc c'est ce qui me manquait souvent pour mes semis, et aussi pour la croissance des plantes, c'était de l'eau. On va aller voir celle à la grange. Donc elle est quasiment... elle est finie en fait. Elle est finie, donc j'ai fait des petits parterres avec des pierres, donc qui vient forcément du futur mandala. Mis de la terre, fumier de poule, de la tonte qui était décomposée. Donc il n'y a plus qu'à. Donc je me suis déjà permis de mettre, là il y a un chou, j'ai trois petits plants de salade. Et là il y avait, vous vous souvenez, tous les plants de tomates que Lisa s'était amusée à écraser. J'ai tout aplati pour recommencer à zéro. J'ai laissé ressortir des tiges. Donc voilà. On voit qu'il y a des petites fleurs. Donc je les ai protégées quand même, ce coup-là, en espérant qu'elles passent l'hiver. Mais de toute façon, il n'y a aucun souci, je referai des plants. Sous la bâche, ben voilà, quelques plants, quelques semis. Donc j'ai mis du chou rouge. Alors des concombres, parce que j'avais vu sur un blog que le concombre n'avait pas forcément besoin de trop de chaleur. Donc c'est un test, hein. Mais beaucoup de luminosité, donc bon, déjà s'ils sortent, on verra bien. Des tomates et des artichauts, donc le protège quand même, histoire d'eux. Et là c'est une noix qui commence à s'enraciner, donc pareil, hop là. Ça, celle-là, on va dire que le plus gros du travail qui reste à faire, ce sera le toit, dès que je peux trouver du polycarbonate transparent pour changer la bâche, parce que là je vois qu'avec le poids de la neige elle a tendance à forcir. Donc ça, la serre, celle-là, elle a donné, je l'ai vu cet été, elle a bien donné, pareil. Du coup j'ai fait des petits parterres autour, donc c'est bien étanche au niveau du froid en bas. Voilà pour celle-là. En ce qui concerne ma petite serre poulailler, donc idem, pris on va dire sur les Earthship comme j'avais expliqué. Donc pareil, hein, le toit polycarbonate aussi là. Voir si j'arrive à choper des grandes structures en bois. Pourquoi pas mettre des châssis de fenêtres, parce que j'en ai encore à voir. Donc celle-là, comme je disais, au niveau de l'autonomie en eau, voilà, j'ai creusé assez, il y a de l'eau. Ouais, je patauge. Donc forcément, il y en a ici aussi. Il me reste à remplir de terre ici. On entend les poules. Donc c'est pareil. Là, j'ai plein de plantes de tomates. Il y a des graines qui y sont restées. Donc j'aurai sûrement des plantes de tomates qui vont pousser. Vous voyez, il y a encore ici. Voilà, des tomates cerises. Qui vont pousser quand je ne le demanderai pas. J'ai mes deux plants d'aubergines, bon, ils ont l'air d'avoir pris le froid, mais je les laisse, de toute façon ça ne me coûte rien. Et ici j'ai mis carottes,
carottes et radis, il me semble. Je me souviens plus, j'avais pas encore noté. Qu'est-ce qu'il me reste ben ici, non, il reste rien à faire. La température, il fait moins. Là, j'ai 1 degré, donc c'est parfait. Je vous dis, le truc, c'est juste qu'il reste hors gel. Sachant que là, il fait moins 3. Qu'il reste hors gel pour prolonger la saison. Pour éviter les coups de gel intempestifs, que ce soit au mois de août, septembre, ou que ce soit au mois de mai, avril. Donc voilà, mes deux petits outils de travail de ce côté-là. On va aller voir maintenant ma raison d'être. Voilà, celle qui était à la base une tonnelle, donc on voit encore la structure là-bas. Et qui a pris en longueur et en, à mon avis en efficacité, ça je verrai ça parce que j'ai juste fini. J'avais enlevé la neige, mais je vois qu'il reneige bien. Donc ça, sous le système de Walipini, hein, comme j'avais expliqué, je mettrai le lien de la vidéo que j'avais faite. Hop. Alors, creuser. Alors, sachant que là, je vais recreuser encore à la fin de l'automne prochain, sur les côtés, pour avoir encore plus de chaleur dans la serre. Donc ici j'ai creusé oula, un bon bout. Je sais pas si j'ai un manche quelque part qui traîne, mais bon, il doit avoir 1m50, 1m80 de profondeur. Donc voilà, donc j'ai mis une bâche parce qu'en fait j'avais rempli le trou complètement d'eau, mais ça s'est infiltré dans la terre. Et moi, ce qui m'intéresse, entre autres pour avoir cette chaleur diffuse quand elle prendra le soleil l'hiver, c'est surtout de, enfin l'hiver, l'automne, au printemps, c'est surtout d'avoir un point d'eau pour l'été. Parce que l'année dernière, bah, je manquais d'eau dans cette serre, et c'était, on va dire, casse-pied chaque fois d'aller chercher à l'arrosoir, un peu plus loin, que là, voilà, ça sera sur place, tout est fait sur place. Le tout, comme je vous disais, c'est d'essayer d'être autonome, que tout soit autonome, que ce soit au niveau du potager comme au niveau des serres. Ici, j'ai pas mal planté par contre. Donc voilà, un petit carré de salade. Parce que je m'étais loupé l'année dernière. Il y a un chou qui est là. Ici, c'est des petits pois là, qui commencent à arriver. Donc j'ai fait un petit carré. Sachant que j'avais mal fermé ici, j'avais pas encore fait la porte. Donc j'ai des chats qui sont venus, qui ont gratté mes graines. J'ai mon petit carré de pommes de terre, comme j'avais fait l'année dernière. Donc à voir. Des radis. Deux petits carrés de salade aussi. Donc ça faisait plus de... pour avoir les intermittences. Au bout, j'ai mis un peu de persil. Il y a un plant de salade, un plant de tomate qui était bah, que j'ai enterré, qui était resté. Hop. Donc j'ai enterré la tige et j'ai laissé passer juste un petit bout. Donc à voir, hein. À voir ce que ça va donner. Comment il s'appelle ? Mon poivron. Alors lui, par contre. Je crois qu'il est mort parce que en fait je l'ai cassé en remuant toute la terre. Mais j'ai laissé la tige, on sait jamais, je verrai. J'ai rien à perdre. Et là, tout le long de la fenêtre, pareil, j'ai remis des petits pois. Un rang de navets et puis des salades intermittentes au milieu. Donc là, j'ai combien? Voilà, ici, là, j'ai 6 degrés. Alors bizarrement, c'est la plus grande au niveau taille. Et c'est celle qui garde le plus de chaleur. Et encore, j'ai pas eu de soleil ni hier ni aujourd'hui. En ma fameuse gouttière, j'ai mis deux petits rangs de carottes. Et là-bas, dans la comment ça s'appelle, le petit châssis, bah, c'est tous des semis de choux d'hiver. Quand je dis d'hiver, pas la saison. Hein, les choux d'hiver, choux fleurs, choux Bruxelles, choux rouges, choux cabu et des poireaux. Et voilà, puis ici, vous voyez, encore un petit chou ici. Là, c'est un bulbe de fleurs. Alors ici, j'ai bien tout refermé entre les fenêtres avec de la mousse. J'avais un vieux matelas enfant qui traînait. Du coup, j'ai fait des petites longueurs. Tout est fermé. Donc, j'attends plus qu'à avoir le soleil. Là-bas, une graine de concombre pour le fun. Qu'est-ce que si j'ai mis, pareil, un potimarron. Donc, à voir quand il va sortir.
Et puis, bon, je crois que c'est tout là. Donc voilà, alors la saison peut commencer pour tout ce qui est tout ce qui n'est pas aubergine, tout ce qui n'est pas poivron, tomate. Pour l'instant, je reste tranquille, mais tout ce qui reste, je suis hors gel. Ça, je suis content. La grange, la serre, celle-là est plus grande. Elle me plaît aussi. Comme je vous ai dit, elle est vraiment pas. Elle est atypique par rapport aux serres tunnels, mais moi je m'y sens bien. Je crois que c'est l'essentiel. Donc le principe, hein, ça a l'air de marcher, parce que vous avez vu par rapport aux autres, la grange, contre la grange, elle fait que 1 degré, 1 ou 2 degrés je crois. Le poulailler serre 1 degré, et ici il y a 6 degrés. Donc on est quand même pas trop mauvais là-dessus. Donc, et en plus, elle ne prend pas le vent. C'est assez solide. Là, ça a été économique, hein, à part l'huile de coude. Mais voilà. Donc, des bons outils pour travailler. Et je vais bien aménager au niveau des plantes pour ne pas me retrouver comme l'année dernière où ça a poussé n'importe comment, où j'ai fait n'importe quoi. Et voilà. Ça, ce sont mes petits outils, mes petites serres. Quand je vois, hein, quand vous avez vu les photos au début, là. Ça me fait bien marrer de voir comment ça évolue tranquillement, mais sûrement. Alors du coup, ici, je vais sûrement aussi, au fur et à mesure, changer tout le système toile et voir pour y trouver des châssis de fenêtres aussi. Mais bon, là, je m'occupe du potager, du design du potager pour l'instant. Et ben voilà, petite vidéo sur les petites serres. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Ça demande de l'huile de coude. Mais c'est prometteur, c'est prometteur. Donc j'ai déjà fait une saison avec, sur celle-là, en tant que poêle épinée. Les deux autres, juste l'été, ça a été juste, ouais, juste l'été. Donc voilà, on va voir pour l'hiver et pour l'automne prochain ce que ça va donner. Cette saison 2019. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre. Et puis, je vous dis, après, je travaille beaucoup à l'instinct et sur ce que je vois, ce que je me renseigne, et puis aussi pour que ça me plaise, quoi. Voilà les amis, les petites serres. Maintenant, il n'y a plus le décor est planté, le potager, les serres. Inch'Allah, il n'y a plus qu'à se laisser aller et essayer d'être efficace et de s'amuser. Je vous embrasse tous bien fort. Allez, bye.